Un sentiment vif, indomptable, passionnel, fondé sur l'instinct sexuel et véritable moteur d'une vie. Ce sentiment, c'est l'amour. Aujourd'hui, en France, des milliers de personnes pensent vivre le grand amour. En réalité, ils ne sont pas compatibles et finissent inévitablement par un déchirement tragique. Avec Glamour, nous vous offrons le vrai, le grand amour. Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 20 ans et je viens tout juste de passer un BTS en commerce international. Malgré un soutien affectif très important, je pense réellement qu'il m'a toujours manqué quelque chose et je pense que c'est l'amour avec un grand A, le grand amour. Mais heureusement, ça a changé quand j'ai rencontré Martin. Martin, c'est moi. J'ai 24 ans et je suis artiste autodidacte. Je travaille sur l'art et ses différentes facettes par rapport au temps. J'ai pu me reconsacrer sur ma vie personnelle et j'ai enfin rencontré Émilie. On se complète et on s'entend à merveille. On est fait pour être ensemble. On est fait pour être ensemble. Vous ne rêvez pas. Ce couple fusionnel et moderne n'est pas le fruit du hasard. Il a été conçu grâce à la performance de notre système. Voici le glamour. Si je devais choisir quelque chose qui m'a tout de suite plu chez toi, je dirais ton petit côté cuisinier et le fait que tu prennes soin de moi le soir quand je rentre à la maison. Et puis mon âme d'artiste aussi. Oui. Oui, aussi. J'ai trouvé ça très original, oui. On s'est rencontrés grâce à Glamour et on a tout de suite su que ça allait marcher. Ça fait 2 mois et 16 jours. Et 4 heures, mon puissant. Et 4 heures. Coupez. Stéphanie, est-ce que tu peux sourire, s'il te plaît? Nous donner, je sais pas moi, un minimum de quelque chose, un truc en plus, quoi. Moi, c'est Émilie. Oui, bon, Émilie, Stéphanie, on s'en branle. Moi, ce que je veux, c'est que tu nous donnes un petit peu de passion, un petit peu d'envie, tu vois. Il faut que... Bon, merde, allez, c'est bon. Pause. Je sais pas pourquoi ils sont restés aussi longtemps ensemble. Franchement, il n'y a aucune alchimie entre eux. Surtout, elle est vachement moche. Enfin... Bon, allez, on reprend. Martin, c'est vachement bien. Hein. C'est vraiment super. Si je puis me permettre, vraiment titiller, tu vois, la petite bête de... Titiller ton talent, tu vois, ne le prends pas mal surtout, hein, je veux pas t'offenser ou quoi que ce soit. Si tu pouvais juste accentuer un tout petit peu ta virilité, c'est super, hein, vraiment, mais si tu pouvais juste mettre un petit accent sur la virilité, c'est vraiment ça, tu vois, qu'on recherche chez un homme. Par contre, changez de place, les deux, hein, s'il vous plaît. Ouais, non, c'est vraiment pas le meilleur profil de Sylvie. Hein. Les chums, hein, putain, la vache. Bah ça tourne ça. Non mais qu'il y avait une porte ouverte, tu vois. Mais souvent je le sens parmi les femmes, tu comprends. Mais en fait c'est un peu ça un acteur. D'ailleurs je pense que j'ai assez vite trouvé ma vocation. Ah d'accord. Oui, bon, je reste dans 5 minutes. Ok, super. Ouais. Ok, bon. Oui, mais de toute façon, on est trois là-bas. Bon, les enfants, on va reprendre, s'il vous plaît. Ouais, je vous laisse, hein, on y va. C'est un ami qui m'a conseillé de m'inscrire. Au début, j'étais hésitant. Où allait mener cette folle aventure? Puis l'algorithme m'a présenté le grand amour. Émilie. C'est sûr que personnellement, son physique ne m'attirait pas vraiment, à première vue en tout cas. Mais j'ai su trouver en lui l'âme sœur. Elle était rayonnante. Les yeux qui scintillaient, les cheveux qui flottaient dans le vent. J'ai tout de suite été séduit. Coupé! J'avais dit la rencontre. Et il est où le site là, hein? Il est où? C'est une pub pour Glamour, pas pour un lave-linge. On s'en fout de tes cheveux, on s'en fout de ta gueule, là vous avez l'air con, vous avez l'air niais, on s'en fout de vous, enfin... Enfin non, on s'en fout pas, mais bon merde, vous m'avez compris. Toi Martin, ça passait, mais...
Mais alors toi, Alice, mais c'est nul, c'est zéro pointé, c'est naze, c'est zéro. Mais putain de merde, je m'appelle Émilie, putain, c'est pas compliqué, quoi. Mais comme la chanson, si vous voulez, Émilie Jolie. Mais il faut aucun effort, tous, ils me pèsent tous les couilles avec Martin qui réagit pas et le réalisateur qui est con comme une. Honnêtement, j'en ai grave marre. Mais elle abuse, Émilie. C'est pas sa faute au réal aussi. Non, mais c'est un professionnel, on peut pas lui en vouloir. Ça fait 3 jours qu'on tourne, honnêtement, j'en peux tellement plus. Voilà, écoute ton homme. Bon, putain, énième prise et on y retourne. On m'amène le lapin, là. Il va meubler un peu le décor, ajouter une touche d'amour. Et puis, putain, il est où mon café ? Ok, silence, s'il vous plaît. Moteur et action. Oh, la perche, là! L'autre, Françoise, enfin, celle au 4, quoi. Je l'aime bien, mais bon, quand même, le truc sur la perche, enfin, tout ça, ça va, c'est des détails, enfin, c'est gentil, pas ça méchamment, enfin... Bon, c'est pas non plus si... Il a un boulot. Hein? Percher les acteurs sans entrer dans le cadre, ça a pas l'air trop compliqué, non? Mais monsieur a encore fumé 3 pètes avant de venir. C'est avec genre quand t'as tous les micros partout. Elle crie tout le temps, donc toi tu chopes tout, ça te pète la tête, c'est horrible, t'en as plein les décibels, je sais pas, enfin... Faut qu'elle se détende, on pourrait se détendre en soir, ensemble. Bon, on va reprendre. Machine là, viens voir, viens t'asseoir à côté de ton homme, toi, viens. Mon homme? Mais mon homme, le grand amour, tu parles? Honnêtement, le mec a aucune hygiène, tu sais pas te laver, tu marches d'un point de côté, t'es pas sportif. Et artiste, mais artiste, mais personne te comprend, tu te comprends pas toi-même. Avec ton lapin, tu fais des tours de magie. C'est pas un couple à trois, hein, c'est entre 2 êtres humains. Ok, j'aimerais que tu respectes un petit peu plus Polisson, ok? Et que tu parles un petit peu moins fort, s'il te plaît, parce que là, il va entendre. Oh, d'accord. Et cultiver, Montaigne, Rousseau, Corneille, Stendhal. Non mais sérieusement, vous voulez qu'on rigole? On va rigoler, hein. Pour lui, le Rouge et le Noir, c'est une chanson et Corneille, c'est un chanteur. Des heures de boulot foutues en l'air. Mais bon, si la journée de tournage s'allonge, la paix ici. Mais Gérard! Vous savez quoi, j'abandonne, vous finissez votre film tout seul, tous, là. Poussez-vous. La vérité, c'est que ça n'existe pas, le grand amour. Et voilà! Encore une débile! Et ça se dit comédienne, ça! Putain! Évidemment que c'est faux! Qui a cru que c'était vrai ici? On vend du rêve! On est là pour vendre du putain de rêve aux gens! Merde! Toi, tu t'appelles comment? Toi, viens me voir! Viens, tu t'appelles comment? Super, tu t'assois tout de suite! Sinon, t'es viré, je te prie, viens que tu es viré! Tu t'assois! Ah, vous êtes beau! On va la reprendre! Et souvenez-vous, je veux du glamour! On est ensemble depuis 2 mois, 16 jours... Et 4 heures. Enfin, on l'a ! Merci, bordel ! Fin de tournage ! Ouais.